américaine, le Youth Leadership Program s'adresse aux jeunes du secondaire et aux éducateurs des pays de la région d'Afrique. Les ambassades américaines dans le monde entier encouragent les jeunes et les personnes de tous âges à apporter des changements positifs dans leur vie. C'est pourquoi les organisateurs ont séjourné pendant 3 semaines aux États-Unis. Ils ont appris comment mettre sur pied des projets sociaux et leur premier projet consistait à revenir à Maurice afin de transmettre ce savoir à d'autres personnes. Les membres de l'alumni du Pan-African Youth Leadership Program ont voulu partager leur expérience américaine à travers des ateliers de travail. Ce programme a pour but d'être une plateforme pour que nous et les jeunes Mauriciens, nous puissions faire un changement dans notre pays. Pour les étudiants ayant choisi ce programme, cela va leur donner l'opportunité de développer leur talent de leadership et de s'engager davantage dans la communauté. L'objectif principal est de bien sûr développer nos qualités de leader dans la société pour soi-même et aussi avec pouvoir rencontrer d'autres élèves, d'autres étudiants, d'autres personnes de la même âge et discuter avec eux en équipe, c'est une bonne, très bonne chose. On a eu la motivation de participer par nos profs à l'école, soit après. Il y a les amis, après on a vu qu'il y a beaucoup de compétitions. Je veux que je sois la motivation pour d'autres jeunes, tout ça. Après, je peux leur parler de ce que j'ai appris, j'ai expérimenté. Au total, une dizaine de séances de travail et de partage seront organisées pendant toute l'année dans le but de promouvoir, voire de renforcer, le leadership chez les jeunes étudiants mauriciens.